Alors que Mariah Carey se remettait peu à peu de son bad buzz du jour de l'an, la célèbre chanteuse aurait touché une grosse somme d'argent pour chanter lors d'un fastueux mariage à Londres. Depuis quelques années, la vente des albums de Mariah Carey est en chute libre. D'autant plus que l'année 2017 avait mal commencé pour la chanteuse de 46 ans, avec sa prestation ratée à Times Square pour fêter le nouvel an et l'histoire de son étoile vandalisée sur Hollywood Boulevard. Le sort semblait s'être acharné sur la maman de Morocco et Monroe jusqu'à ce week-end. Invitée comme vedette aux côtés d'Elton John et de l'acteur Antonio Banderas pour chanter au mariage d'Irene Kogan, la fille d'un milliardaire russe, la diva tout en paillettes a dédié le tube romantique We Belong Together au marié avant d'inviter la future épouse à la rejoindre sur scène. Il semblerait que pour sa prestation, Mariah Carey ait touché une grosse somme d'argent. Pour le mariage de sa fille, 4 millions de dollars, soit 3,7 millions d'euros pour s'offrir les services de Mariah Carey et Elton. Une belle manière pour Mariah d'oublier ce début de mois difficile.